Et bonsoir et bienvenue sur Indécent Podcast. Eh bien écoutez, on est le dimanche 24 novembre. Et puis on s'est dit, en discutant entre nous, etc. Parce que il y a un petit jeu avec lequel je vous cassais les pieds déjà depuis un bon moment, à savoir Mothership. Tiens, je faisais une petite discussion indécente. Ça nous change, parce que la dernière fois, on avait un peu discuté. Ben, c'était, donc je vous rappelle, la précédente discussion indécente, c'était avec Gulix, Nicolas Ronvel, hein, on avait papoté pas mal sur le collectif The Gauntlet, les auteurs entre autres hein, de Brindlewood Bay, etc. Moi, c'était l'occasion de vous présenter un petit peu Mothership. Alors, bah, avant de commencer, bien évidemment, alors, petite précision déjà avant de commencer, ce soir, je serai tout seul. Donc, soit les copains sont crevés, soit ils sont crevés, soit ils sont en train de faire autre chose. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Un petit coucou à François qui est déjà dans le chat, après Tilly, à Ranita, tiens, je te fais des bisous, voilà. Bonsoir Uskol, bonsoir Univalis, et puis ben, toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre, qui nous regarderont en replay demain, qui écouteront la version podcast, etc. Tout va bien, tout va bien se passer. Donc voilà, on s'est dit, on va causer un petit peu de Mothership, The RPG, donc The Role-Playing Game. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on va commencer avec les petites bannières, hein, parce que j'en ai préparé quand même, même tout seul, des fois, on essaye de faire des choses. Donc déjà, avant de commencer, voilà la bête. Hein, je vous l'avais déjà montré, c'est au format boîte, donc ça c'est ce qu'ils appellent le Core Set, donc le moteur de jeu, hein, que je vais vous montrer un petit peu plus en détail au fur et à mesure. Et derrière, vous avez une tétrapile de suppléments tiers parties. Voilà. Je vais vous en présenter quelques-uns, hein, pas tous, parce que sinon je pense qu'on est là pour plus de 3 heures d'émission. C'est pas trop le but quand même ce soir. C'est plus pour vous montrer ce que c'est Mothership. Alors, premièrement, pareil, avant de vraiment commencer l'émission, petite précision sur le déroulé de la discussion. Premièrement, on va pas rentrer dans le détail du cœur du système, du cœur de la création de personnages, de rentrer dans le détail, de vous présenter vraiment tous les suppléments, page par page, etc. Pas du tout. Là, le but ce soir, c'est de vous montrer ce que c'est, qu'est-ce que ça émule comme type de jeu, comme type d'univers, pourquoi ça cartonne outre-Atlantique, pourquoi il y a une telle production tiers parties aussi abondante, et on discutera bien évidemment pour clôturer sur l'AVF qui a été annoncée chez Arcane Asylum Publishing. Voilà un petit peu le déroulé, et oui, ça nous arrive des fois, on fait des plans. Donc premièrement, petite bannière, oh, regardez-moi ça, historique, Mothership. Donc Mothership, Kezako. Ben en fait, c'est un jeu qui a été produit, qui est sorti en 2018. Vous voyez, ça remonte déjà à 6 ans, presque. Ben oui, c'est pas si, pas presque, d'ailleurs, ça fait plus de 6 ans. Le créateur, c'est Sean McCoy. Voilà. C'est lui qui a créé à la fois le système, la maquette, les dessins, etc. Et à la base, Mothership, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup, beaucoup de suppléments déjà, c'est 44 pages uniquement, dans lesquelles vous aviez la création de perso, les règles, pas vraiment d'univers, des tables aléatoires, en veux-tu, en voilà, pour commencer à fabriquer ces histoires. Ben voilà, vous allez me dire, quel type d'histoire? Eh bien, imaginez que nous sommes dans le futur, vous savez que la science-fiction, c'est notre grande passion. Donc dedans, en fait, on va jouer dans un futur où l'humanité s'est dispersée dans la galaxie, et on est plutôt sur ce qu'on appelle la horror sci-fi, donc la science-fiction horrifique, façon Alien, façon Event Horizon, façon Pandorum, je vous en passe, et des meilleurs. Voilà un petit peu le principe, le postulat de base de Mothership. Déjà, bon, on est pas mal, on voit à peu près le type d'aventure qu'on va pouvoir émuler et jouer. Je vous montrerai un petit peu ensuite, je vous parlerai un petit peu des règles, et puis des créations de personnages ensuite. Vous allez voir pourquoi ça cartonne à ce point-là, en tout cas outre-Atlantique. Donc ça, c'était 2018. Entre-temps, comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs modules, puisque c'est la façon dont Mothership s'est vraiment répandu, c'est que ça a fonctionné par module. Vous aviez donc ce zine de 44 pages, où dedans vous aviez tout ce qu'il faut pour jouer, et ensuite des modules à la fois d'aventure, de rajout de règles, etc. Donc les trois premiers que j'ai en tête là comme ça, je les ai pas, mais je pourrais vous montrer en PDF s'il y a besoin, c'est A Pound of Flesh, Gradient Descent et Dead Planet. Dead Planet, a priori, de ce que j'en ai vu, parce que ça fait partie du truc que je n'avais pas pris encore, c'est un des plus gros méga donjons qui existe à l'heure actuelle, qui vous occupera des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, puisque ça commence sur un vaisseau, sur une planète, etc. Enfin bon, bref, un truc de fou, et tout ça sur même pas 80 pages.
Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de s'épancher pour avoir un truc qui vous tienne en haleine pendant des heures et des heures et des heures. Donc voilà un petit peu les différents modules. Et assez rapidement, vous avez eu des productions tiers parties, donc d'autres créateurs qui se sont emparés de la bête, en tout cas du cœur du système, pour produire leurs propres modules. Donc vous aviez pas mal d'auteurs dont on va reparler, hein, et qui petit à petit ont été approuvés par Sean McCoy et 2SD Night Games, qui est la maison d'édition qui s'est montée pour éditer Mothership. Et enfin, ce qui a fait que vraiment Mothership est devenu un phénomène, mais juste incroyable, hein, on ne pensait pas que ça aurait un tel succès, je ne sais pas si l'auteur lui-même en avait conscience, il y a eu un Kickstarter. Alors je vais essayer de vous montrer ça, parce que c'était juste phénoménal. Ça, c'est juste pour la partie présentation, hein, bien évidemment. Alors, où est ma petite page de Kickstarter ? Elle est ici. Regardez-moi ça. Voilà. Hop. Est-ce qu'on est bien ? Oui. Parfait. Donc, Mothership, première édition, puisqu'on part du principe que le premier livret de 44 pages, c'est une édition zéro. Voilà. Mais peu ou prou, c'est à peu près les mêmes règles. Hein, elles ont juste été affinées avec le temps. Donc, première édition en forme de boîte. Et regardez-moi ça, 15 699 contributeurs pour plus $1,400,000. C'est juste faramineux. pour un jeu indé, hein, clairement. Hein. Pour un jeu indé qui émule un genre quand même bien précis, hein, qui est une vraie niche dans les thèmes de la science-fiction, puisque la SF, ce n'est pas que l'horreur spatiale, hein, quand même, heureusement. Ça a été un carton monumental. Alors, le petit truc quand même, hein, c'est que... J'essaie de retrouver quand est-ce que ça avait été édité. C'était 2021, le financement. Ça devait sortir en novembre 2022. On va dire qu'il y a eu plus d'un an et demi de retard. Alors, vous vous direz chez nous en France, la rigolade, un an et demi de retard, c'est pas grand-chose, tout va bien, on est heureux. Alors non, je vous rappelle qu'on est aux États-Unis. Donc, moi qui avais fait un late pledge, j'ai dû attendre un an avant que ça sorte. Donc, vous imaginez les Américains. C'est pas du tout les mêmes réactions que nous. C'est-à-dire... des centaines de demandes de remboursement, les traitant de voleurs, d'escrocs, etc. Je vous en passe les meilleurs. Bonsoir Shamrock. Donc voilà un petit peu l'état de... Bonsoir Kavedulf, 21. Donc ça a été un véritable raz-de-marée. Hein. Une aventure éditoriale assez chaotique, hein, on va pas se mentir. Et voilà un petit peu ce qu'on nous promettait. Donc le corset, c'est la boîte avec tous les bouquins qu'il faut pour jouer. Là, c'est plus simplement... un petit livret de 44 pages. Le Deluxe 7, alors là, vous aviez tous les petits... les aventures qui avaient déjà été éditées en zéro, qui étaient rajoutées dedans avec des versions collector, etc. Voilà un petit peu ce qu'on avait dans la boîte. Vous voyez un petit peu déjà le truc. Donc, on avait le Player Survival Guide, qui est le guide du joueur avec les règles et la création de perso, uniquement. Le Warden's Operation Manual, celui-là, j'ai pas mal m'y attarder. C'est tous les conseils pour mener des scénarios ou des campagnes tel que lui l'a conçu, tel que Sean McCoy, l'auteur, l'a conçu pour Mothership. Et je peux vous dire que ça fait partie des trucs les plus incroyables que j'ai lus. Ensuite, on avait le Chips, Tool Break, etc. Bref, je vous ressortirai le vrai titre. Donc, tout ce qu'il faut pour avoir les vaisseaux. Et le Unconfirmed Contact Reports, donc, qui sont toutes les rencontres que vous pouvez avoir dans Mothership. Des aliens, ça peut être des démons, ça peut être... des êtres éthérés, ça peut être autre chose, des virus, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, hein, dans l'horreur spatiale. Tout ça est compilé dans un petit ouvrage, plus Another Bug Hunt, qui est un premier module d'aventure. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans Mothership. Donc voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est ce que je vous montre, c'est les différentes influences qui ont sous-tendu la création de ce jeu. Vous savez que ça, j'y apporte toujours une importance particulière, en tout cas, quand on parle de création d'un jeu. Bonsoir Arsène. Oui, tout à fait, Shamrock, tu dis que tu comprends pas l'engouement. Je vais y revenir plutôt vers la fin. Voilà, parce que c'est vrai que c'est assez spécial, parce qu'on a quand même une production francophone, hein, de jeux qui occupe ce créneau-là, de l'horreur spatiale. Donc on va discuter de ça aussi, de est-ce que Mothership est vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous devez vous ruer dessus pour y jouer, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeux qui peuvent aussi faire la même chose? Ça fera partie des choses dont je vous parlerai également. Donc voilà le petit bingo. Alors vous avez bien évidemment Alien, hein, puisque c'est de là, en termes d'imagerie, hein, j'entends, hein, pas de roman, mais en termes d'imagerie, Alien, c'est quand même la pierre angulaire de ce que peut être l'horreur spatiale et de ce qu'on appelle aussi le industrial sci-fi, donc la science-fiction indus, où vous avez tous ces vaisseaux alors qui font des voyages
extraluminiques, hein, voilà, mais qui sont cracra avec des tubes dans tous les sens, voilà, l'huile qui suinte, enfin, des trucs dégueulasses, des ordinateurs qui datent des années 70. Enfin, c'est ça l'indus sci-fi. Vous avez donc ensuite des jeux vidéo, bah, Super Metroid, qui était sur Super Nintendo, qui présente un environnement bio-organique bien cracra aussi, qui peut être très très sympa. Bon, Event Horizon, je ne vous fais pas un dessin, puisque quand on fait des sauts dans... Vous passez par un trou de verre pour aller au-delà, hein, passer des centaines de milliers d'années-lumière, bah vous avez ce qu'on appelle l'entre-deux, en tout cas dans ce film-là. Et dans l'entre-deux, il y a des choses un peu cheloues. Donc Event Horizon, c'est un vrai classique de l'horreur spatiale. Alors Sunshine, c'est encore autre chose, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une nullité, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, moi je le franchis allègrement. Tetsuo The Iron Man, si vous aimez les trucs dégueux japonais, c'est pas mal. Haunted Cities, Prospect, Dead Space en jeu vidéo, extraordinaire. Alors le Solaris de 72 et celui avec George Clooney, qui je trouve est vraiment très bon aussi, hein. On est trop sous-estimé, puisque c'est la rencontre entre un organisme vivant à la taille d'une planète qui essaie de communiquer avec des humains. Solaris, chef-d'œuvre. Donc Worldside Picnic, Low-Tech, Planet, le manga, du Doom, bien évidemment, Blame, le manga, Diamond Dogs, Thing. Bon voilà, vous voyez un petit peu toute la liste, ça vous donne un petit peu ce dont vous pouvez vous inspirer pour créer vos propres aventures. Bonsoir Gébran. Donc voilà un petit peu le petit historique. Donc comme je vous dis, hein, c'est sorti 2023, début 2024, à peu près, enfin plutôt 2023. Mais voilà, ça a mis beaucoup de temps à arriver, Mothership. Donc ça a été compliqué, pour pas dire plus. Voilà pour la petite partie historique. Maintenant, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on y joue exactement? Alors, hop, voilà, je me réduis un petit peu, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qu'on y joue? Bon, vous allez jouer quatre classes de personnages. des aventuriers, ça peut être militaire, ça peut être scientifique, ça peut être prospecteur, ou ça peut être androïde. Voilà un peu les différentes classes de personnages, j'y reviendrai aussi un petit peu plus en détail. Et vous êtes donc, comme je vous disais, dans un univers alors que vous allez pouvoir faire à votre sauce, clairement, ou vous allez pouvoir reprendre d'un univers déjà existant, hein, peu importe. Hein. Et vous allez jouer donc des gens qui sont envoyés en mission, ou qui sont sur une planète, ou qui sont sur une station spatiale, ou une lune, ou des astéroïdes que vous allez miner. Enfin bref, imaginez un petit peu tout ce que vous voulez, façon Outland, par exemple. Imaginez tout ça, et voilà dans quoi vous allez évoluer en termes de science-fiction. Vous pouvez être envoyé par une compagnie, par des États, par des factions, par des tyrans, par des démocraties. Pareil, c'est très très libre en termes de choix. Ce qui fait que Mothership aussi, dans ce qu'on y joue, y a quelque chose qu'il faut mettre aussi en avant, c'est que c'est conçu dès le début comme une boîte à outils pour jouer un type d'histoire. Voilà ce que l'on y joue. Et ce type d'histoire, donc, c'est la science-fiction d'horreur. Voilà ce que c'est Mothership et ce qu'on va jouer. Vous allez jouer des gens, comme vous et moi, qui sont confrontés à l'inconnu. Pas au surnaturel, à l'inconnu, à quelque chose qui va arriver, qui va leur tomber dessus, et il va falloir qu'ils réagissent dessus pour essayer de s'en sortir, ou survivre, ou d'autres choses, hein. Ça ce sera à vous de construire l'histoire ensemble, bien évidemment. Donc voilà le type d'histoire que vous allez jouer. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, hein, que je ne sois pas tout seul non plus à parler, qu'il soit un peu interactif. Alors, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que cette petite boîte dans le bide. Alors je l'avais déjà montré vite fait, donc je vais essayer d'y revenir un petit peu plus en détail. Nous avions des petits, voilà, hop, des petits socles sur lesquels vous mettez des petites figurines. Les dés, c'est important, hein, parce, alors je ne les ai pas ouverts, hein, parce que j'en ai déjà plein d'autres. Des 100, des 20, vous allez vite comprendre au niveau du système pourquoi. Ça, c'est vachement bien, ça a été débloqué pendant le financement. C'est un compagnon, c'est-à-dire que vous avez une application à télécharger sur votre téléphone portable et vous pourrez créer votre personnage et gérer votre fiche de perso directement sur l'application. Formidable, franchement. Et ils ont débloqué ça avec 1 500 000 dollars. Autant vous dire que on peut se permettre, hein, de développer des choses. Voilà ensuite le contenu de la boîte. Hop, vous voyez un petit peu, c'est quand même bien rempli. Alors il y a des choses qu'on va, on va vite passer. C'est des planches de pions. Hein. Donc vous avez les petits pions de niveau d'intensité, etc. Voilà, des combinaisons, des trucs pas recommandables, hein, qui peuvent vous tomber sur le coin de la figure, qui vont plutôt avec le scénario, hein, Another Bug Hunt. Donc voilà, je ne les avais pas dépunchés, vous voyez, un petit peu.
et les personnages, les vaisseaux spatiaux, etc. Très sincèrement, vous n'êtes pas du tout, mais alors du tout, obligé d'utiliser ce genre de petit punchboard, enfin de petit pion, pardon, voilà, ou de figurine. Alors vraiment, c'est de l'optionnel, parce que aux États-Unis, on aime bien ce genre de truc. Sincèrement, on s'en moque complètement. Après, vous pouvez, hein, ça fait un peu plus immersif. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avions dedans? Vous aviez une jolie carte qui va vous montrer un petit peu aussi comment vous pouvez créer. Alors, j'essaie de la mettre dans le bon ordre. Voilà, pour le contact. Comment ça se passe pour les combats spatiaux? Regardez-moi ça. Contact. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu avec Jean et puis Frédéric quand on parlait de Traveler. Donc, Firing, Detection, Beyond. Donc, c'est tout ce qui permet de gérer les tours pour les combats spatiaux. Et pareil pour... Voilà, ici... Les minutes, les jours, les semaines, les mois et les années. Vous pouvez mettre ça aussi en termes, vous voyez, de durée par rapport aux distances. Ça, c'est vraiment bien foutu. Vous aviez ensuite derrière... Alors, ça, c'est quoi? C'est une station spatiale. Basleman. Non, c'est un vaisseau, pardon, excusez-moi. Avec les ponts, la roue qui tourne, etc. Enfin, l'anneau qu'il faut pour la gravité, hein, vous voyez. Voyez un petit peu, donc, voyez un peu le style Mothership, c'est très blueprint hein, à la Alien, hein, de toute façon, hein. Ça ne s'en cache pas au niveau de l'aspiration. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la façon dont ça se plie. C'est vraiment bien foutu, vous voyez, ça rentre, hop, tout petit, vous voyez, hop, voilà. Ensuite, il y avait un écran. Alors, sincèrement, l'écran, bon, vous aimez le style, hein, mais en même temps, on vous montre quand même que ce qu'on joue dans Mothership, c'est de l'horreur hein, spatiale. Voilà la chose. Je vous laisse juger de la qualité du bestiau, hein. Mais ceci dit, ça montre exactement ce qui nous attend. Un truc vraiment cracra, dégueu, crado. Avec le petit M de Mothership. Pas de titre, juste le M. Alors, est-ce qu'il y a un background ou c'est une toolbox? Alors, on va y venir. par contre, le dos, beaucoup, beaucoup de tableaux. Mais alors, vraiment, beaucoup, quoi. Voilà. Donc, vous aviez la table des blessures, parce que alors, vous avez de quoi mourir. Très souvent et beaucoup, et peut être très douloureux. Armure, les considérations tactiques, les dommages, les effets de panique, les stats et les sauvegardes, la survie, bon, les prix, on s'en fout, la paix, oui, la paix, c'est important, hein, parce que ouais, vous êtes dans un jeu, vous êtes quand même un peu les prolos. Les méga dommages, ça c'est pour les vaisseaux, tout ce qui concerne les vaisseaux, donc range distance, le coût du fuel hein, pour recharger votre vaisseau, la classe de vaisseau, les ports, etc. Voilà un petit peu les petits tableaux qui vont bien. Et ensuite, donc on va attaquer les différents modules. Voilà. Donc c'est avec ça qu'on joue. Alors, j'enlève tout de suite la petite bannière ce que l'on joue, puisqu'on va attaquer donc la partie création de personnages, etc., puisqu'il y a plusieurs modules. Mais avant, je vais répondre tout de suite à la question. Oui, c'est une boîte à outils. Clairement, il n'y a pas d'univers particulier. On fait juste comprendre que c'est plus loin dans le futur. On maîtrise les voyages supraluminiques, mais ça reste dégueu. Il y a des méga corpos, les gens sont exploités, ils minent, il y a des trucs chelous. Voilà. Et à partir de là, c'est à nous de fabriquer. Ça fera partie de ce dont j'aimerais discuter à la fin de l'émission, une fois que je vous aurai présenté grossièrement Mothership, hein, bien évidemment. Mais clairement, ouais, il y a quand même beaucoup de boulot. Et c'est pour ça que vous avez les modules que je vais vous présenter ensuite. Donc, on commence par le premier module essentiel. Hein. Alors, vous pouvez trouver ça. Alors, soit vous trouvez la boîte sur Philibert ou autre, peu importe, hein, ou sur le site de Tuesday Night Games. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien vers le site de l'éditeur. Ce sera peut-être pas mal aussi. Hop. Comme ça, vous pourrez aller y voir. Alors, le FEMA, oui, c'est spécial, et selon les modules, soit ça fait crayonner comme si c'était moi qui dessinais, autant vous dire que ça va être un peu pas terrible, voir des trucs, mais alors vraiment, vraiment chiadés, genre ce genre de choses, par exemple. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Vous voyez? C'est un petit peu autre chose, quoi. Donc, ça dépend vraiment des modules. En tout cas, le truc de base, ça c'est vraiment minimaliste. Je vais vous montrer vite fait ce que ça peut donner. Alors ça, c'est très particulier. Ça, c'est ce que j'adore dans la production US un peu indé. C'est-à-dire que chaque page est utilisée au maximum. Ce n'est pas une galerie de personnages. C'est toutes les armures que vous pouvez avoir avec leurs caractéristiques. Voilà. Tout est utilisé, y compris les pages de garde.
Voilà. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans le sens où tous les espaces sont utilisés, on perd rien. Donc dedans, vous allez avoir la fiche de personnage. Je vais vous la montrer tout de suite. Hop, regardez-moi ça. Et puis il a même programmé des trucs. Voilà, je vous partage la fiche de personnage qui a l'air complexe comme ça, mais qui ne l'est pas parce que bah, je vais vous en parler, bien évidemment. Alors, on augmente un petit peu la résolution. Voilà. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez donc ce qu'on appelle le personal details. Donc, c'est votre nom, vos petites notes personnelles, qui vous êtes, etc. Vous allez avoir quatre statistiques, quatre compétences, attributs, appelez ça comme vous voulez, qui sont la force, la vitesse, l'intellect et le combat. Et comment ça marche? Bah, vous jetez 2 des 10, vous rajoutez 25. Et vous avez votre score. Pas compliqué. Ensuite, vous avez des sauvegardes qui sont alors, sanity, santé mentale, hein, bien évidemment, la peur et le corps. Body. Donc, pareil, là, 2 des 10 et vous rajoutez 10. Ensuite, vous allez choisir votre classe de personnage, comme je vous ai dit, le Marines, le militaire, hein, qui peut être aussi un mercenaire, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. L'Android, ouais, si vous avez envie de jouer David, par exemple, si ça vous tente. Vous avez les scientifiques, au sens très très large, hein, ça va du botaniste au, que sais-je moi, le spécialiste en linguistique, enfin voilà. Tout ce genre de choses. Et Teamster, c'est l'école bleue, c'est-à-dire tous ceux qui sont en ingénierie, prospecteurs, mineurs, colons, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est dans cette classe un peu fourre-tout. Et ils ont chacun des façons d'ajuster vos caractéristiques et vos jets de sauvegarde. Vous voyez, par exemple, le Marine, il se prend 10 en combat, 10 en body save, plus 20 en peur, et plus 1 en maximum de blessures que vous pouvez vous prendre dans la tête. Ensuite, vous allez jeter un des 10 plus 10 pour votre niveau de santé, le niveau de blessure, bien évidemment, le stress, donc on commence toujours à 2, quand même. Ensuite, vous aurez, en fonction de la classe que vous choisissez, vous avez choisi une réponse traumatique. Voilà, donc le Marine, par exemple, whenever you panic, every close friendly player must make a fear save. Donc dès que vous commencez à partir en couille, tous ceux qui sont autour de vous doivent faire un jet de peur parce que vous leur faites peur en fait. Voilà. Et chacun a sa petite truc. Ensuite, vous avez l'équipement, trinket and patch. Alors le patch, ça c'est le truc de Mothership. Vous pouvez, quand vous pledgez des projets, vous avez carrément le truc à coudre sur votre t-shirt ou votre veste, peu importe. Bref, en tout cas, voilà, ça fait partie du truc, les points d'armure, etc. Et ensuite, vous avez des talents et des compétences bonus que vous allez avoir en fonction, pareil, de votre classe. Et vous avez donc trois catégories. La catégorie où vous êtes entraîné, la catégorie où vous êtes expert, et l'autre où vous êtes maître. Et bien évidemment, bah, ça vous rajoute des bonus, mais vous ne pouvez pas aller directement prendre une compétence maître si vous n'avez pas maîtrisé les deux d'avant. Et vous avez les petits chemins qui vous permettent de faire la petite arborescence. Voilà la fiche de perso. Je pense que j'ai été assez clair, enfin j'espère. On rentrera plus, je rentrerai plus dans le détail de ce que c'est créer un personnage, on pourra le faire ensemble, etc. Ça peut être très amusant. Ça fera l'objet de toute façon de d'autres vidéos sur Mothership à venir. Spoiler alert, je ne serai pas tout seul. Voilà. Ça fait partie des petites choses importantes sur lesquelles on travaille en coulisses et qui nous fait très 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 plaisir. Ensuite, après, ben, alors, ce qui est très intéressant, voilà, hop, on enlève ça, c'est que vous allez avoir régulièrement. J'essaie de mettre ça. Voilà. Pas mal d'exemples. Vous voyez la petite partie en gris, la petite partie encadrée, etc. Beaucoup, beaucoup d'exemples, soit de parties, soit pour vous expliquer comment vous allez jouer, comment vous allez, à quoi, que veut dire telle et telle chose, etc. Beaucoup de tableaux. Alors, c'est écrit petit, hein, on ne va pas se mentir. Voilà, le PDF a toute son utilité, hein. Mais ceci dit, ça reste vachement lisible. Ben, peut-être que parce que du fond blanc, écriture noire, ça ressort facilement. Ça aide aussi. Le système de jeu. Ensuite, vous voyez, je vous ai dit que ça allait assez vite. Hop là. Alors, le système de jeu, c'est ce qu'on appelle des jets de stats, donc de statistiques. Il faut juste avoir en tête la grande idée de game design de Mothership, c'est que vous ne demandez un jet que si c'est réellement nécessaire. Parce que c'est un jeu qui est difficile dans les jets. Et très létal.
C'est-à-dire que vos persos, si vous voulez les jouer sur la durée, il va falloir quand même faire attention. Pourquoi? Parce que vous allez jouer indécent. Ça, alors, vous êtes sur des 100 podcasts, ça va avec. Et vous allez devoir faire en dessous de votre score de stats. Vous savez, les 2D10 plus 35, là. C'est bien 35, parce qu'au bout d'un moment, on perd le fil aussi. 25. Donc, imaginons que vous faites un 2 et un 5, donc 7, ça fait 32 sur une stat, par exemple. Et bien, si vous voulez réussir votre G, sans bonus, sans rien, bien évidemment, hein, et bien, il va falloir que vous fassiez en dessous de 35. Voilà, voilà, voilà. Vous avez bien compris que les G sont excessivement difficiles à réussir. Parce qu'au maximum, avec des bonus et autres, vous pouvez atteindre péniblement un 50. Voyez un petit peu ce que je veux dire sur la difficulté de la chose. Ça, c'est pour les statistiques, tout ce qui joue sur la force, la vitesse, l'intellect, le combat. Je ne vous fais pas un dessin, on en rediscutera. Les sauvegardes, c'est tout ce qui joue sur la peur, tout ce que vous allez subir en termes de stress. Si vous ratez un jet de stats, vous prenez un point de stress. Si vous ratez un jet de sauvegarde, if you roll less than your save, you succeed. Sinon, vous échouez et en plus vous prenez un point de stress. Un 90-99, c'est tout le temps un échec. Donc ça, au moins, vous êtes prévenu. Il y a trois styles donc de jet de sauvegarde qui sont. Oh, je regarde s'il y a un petit commentaire. On joue des ratiers de l'espace, dit Shamrock. Mais oui, oui, c'est exactement ça. Malheureusement. Même quand on joue des militaires, parce qu'il y a des modules où on joue des militaires, on prend cher aussi. Hein. Alors, Sanity, donc c'est la logique rationnelle. Voilà. Dès qu'il y a du chaos, des choses comme ça, ça vous met à l'envers. La peur, c'est très intuitif. Voilà, c'est quelque chose de viscéral hein, qui est attaché en nous. En fait, c'est un mécanisme de défense, hein, la peur, hein, tout simplement. Ouais, l'état de compagnie RPG, mais à fond. À fond. C'est exactement ça. Et body, résister à la faim, aux organismes, aux maladies, etc. Donc, il peut y avoir pas mal de choses. Ensuite, vous avez tout un système d'avantages et de désavantages, hein, bien évidemment, qui vont vous permettre de lancer deux fois. Vous prenez le meilleur, vous prenez le moins bon. Ça va dépendre des avantages. Je ne rentre pas dans le détail, hein, comme je vous avais dit. Vous aurez des succès critiques et des échecs critiques quand vous faites des doubles. 2x2, 2x3, 2x4, etc. Si c'est un 0-0, c'est un succès critique. Voilà, tout simplement. Si c'est un 99, c'est un échec critique. Tout simple. Donc en fait, votre double, s'il est en dessous, imaginons que je fais 22 et que j'ai 34 dans ma stat, eh bien, je vais avoir un succès critique. Parce que les 22, c'est un double chiffre en dessous. Voilà, c'est toujours pareil, hein, toujours le en dessous. Et ensuite, après, vous avez donc des talents. Si on vous demande un G spécifique à un talent que vous avez, vous allez récupérer le bonus qui va avec. Un plus 10, un plus 20, etc. Donc ça peut être pas mal hein, quand même de rappeler au MJ, tiens, au fait, ça c'est mon talent, je le joue, etc. Et comment on gagne du stress? Eh bien, à chaque fois que vous échouez un G. Vous avez bien compris que le but, c'est pas non plus de rester dans sa cabine en attendant que ça passe. C'est un peu une des craintes de Mothership, en tout cas à la lecture et dans les comptes rendus de partie que j'ai pu lire à droite à gauche, pas encore joué malheureusement, ça donne très très envie, hein, ceci dit, spoiler alert. C'est comment je fais pour que les joueurs s'investissent dans une mission où on sait de toute façon, puisque c'est le présupposé du jeu, qu'ils vont en baver et ils vont être confrontés à de l'horreur, quelle que soit sa nature. Eh bien, vous avez ce système des points de stress. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne faites rien, vous allez entendre des choses, il va se passer des trucs sur la station ou dans le vaisseau, etc., qui font que de toute façon, la tension va monter d'un cran et que vous allez gagner du stress. Vous pouvez en enlever que si vous faites des jets de repos ou que vous avez des conditions qui vous permettent un repos vraiment long. Vous êtes ailleurs, vous êtes sorti de la station où se passaient des choses horribles. Vous pouvez vraiment oublier tout ça, etc., drogue, tout ce que vous pouvez imaginer, là, ça peut vous aider à récupérer du stress. Si vous dépassez un certain niveau de stress, alors j'essaie juste de retrouver parce que c'est bon, on va pas se mentir, hein. Voilà, the maximum stress you can have is 20, donc 20 de stress maximum. Si vous le dépassez, là, dans ce cas-là, vous faites un jet de panique. Donc vous avez une table d'effet de panique, c'est avec un D20. Alors là, vous allez voir un petit peu
ce qui va se passer. Donc, vous pouvez être doomed, donc condamné. Vous pouvez être suspicieux, hanté, avoir des envies de mort, death wish, vous souhaitez mourir, quoi. Des visions prophétiques, vous pouvez être catatonique, vous pouvez être enragé, etc., etc. Il y a plein de trucs assez amusants, on va dire ça comme ça. Et quand ça vous arrive, bah, il vous faut un certain temps pour vous calmer jusqu'à ce que bah, vous ne deveniez plus jouable, en fait, hein, tout simplement. Voilà le système de jeu. Ensuite, le combat. Bah, vous avez des rounds qui font 10 secondes à peu près. Vous allez simplement voir. Alors, je suis en train de regarder l'ordre de tour. C'est un jet de speed. De, je crois de mémoire. De toute façon, je vous ai dit, hein, je rentrerai dans le détail. On rentrera dans le détail plus dans d'autres vidéos. Hein. Et ensuite, bah, vous choisissez si c'est au corps à corps ou à distance, etc. Vos dommages, bah, vous les enlevez de votre niveau de santé. Quand vous arrivez à zéro, ça vous fait une blessure. Vous avez une table des blessures qui peuvent être assez radicales hein, dès le début. Hein, donc vous pouvez mourir d'un coup, en fait. Hein. Voilà. Ça dépend du type de dommage que vous prenez. C'est sûr que si vous prenez du gunshot, tir d'armes à feu, si vous faites un 7, major blood loss, vous êtes en bleeding plus 4. Donc vous êtes vraiment dans la merde, hein, pour parler crûment. Vous pouvez mourir sur un seul jet aussi. Hein. Ça peut être très rapide. Vous enlevez ensuite des dommages vos points d'armure. Vous pouvez être à couvert, etc. Votre mort, en fait, c'est quand vous arrivez à deux blessures et que vous faites des jets de sauvegarde de mort. Voilà. Si vous le ratez, adieu. Et ensuite, bah, les différentes façons de combattre. Vous voyez un petit peu, hein. À chaque fois, c'est ça qui est pas mal. C'est que vous avez les exemples, partie grisée, les explications et le petit dessin qui illustre. Et franchement, le petit dessin, là, vous le voyez, ça vous montre un petit peu ce qui peut vous attendre dans une partie de Mothership. Ça peut être très cruel à ce niveau-là. Ensuite, après, vous avez toutes les conditions de survie, les atmosphères, saignées, enfin, les hémorragies, la maladie des questions de cryogénie. Ah oui, ça, voilà, ça peut le faire. La fatigue, la faim et la soif, l'oxygène, les radiations. Parce que je vous ai déjà expliqué que dans l'espace, les radiations, c'est ce qui est le plus létal, et qu'on n'ira jamais sur Mars à cause de ça. Ben voilà, c'est les radiations. Les températures, etc., etc. Plein de petits trucs. La façon dont vous pouvez aussi vous en sortir, hein, les médecins, ça peut être pas mal, hein, quand même. Vous avez ensuite un exemple de partie, regardez-moi ça, avec tous les petits dessins qui vous illustrent exactement ce dont il est question sur les deux côtés. Ça, c'est un modèle. Bonsoir, madame. Ça, c'est un modèle de maquette, en fait. Ensuite, les petits modèles de port crisis. Donc ça, en fait, c'est les ports dans lesquels vous pouvez accoster avec votre vaisseau pour réparation, repos, etc. Fournitures que vous pouvez trouver, acheter, revendre, etc. Les contractor stats, ça, c'est si vous voulez faire des mercenaires, par exemple, et être embauché par des gens avec de la loyauté, etc. Voilà, la fiche de perso que je vous ai déjà montré. Et tout ça sur... On va essayer de retrouver le nombre de pages, parce que c'est 44 pages. Ça reprend, en fait, le premier module. 44 pages, vous avez la création, les règles, de quoi commencer tout de suite, parce que vous avez les exemples. Donc voilà, pour l'aperçu des règles. Maintenant, avant de vous parler des modules, etc., on va parler de cette chose. Le Warden's Operation Manual, qui lui, en fait, va vous expliquer ce qu'est Mothership et comment vous allez concevoir vos scénarios, vos aventures, vos campagnes. D'ailleurs, ça me rappelle un autre jeu qu'on a chroniqué il n'y a pas longtemps, dont je vais vous reparler tout de suite après. Donc déjà, premièrement, préparez votre première session. Et on vous explique bah, un petit peu, voilà, vous allez choisir un scénario de départ, c'est-à-dire un cadre de jeu. Est-ce que c'est de l'horreur économique? Est-ce que c'est de l'horreur autre, etc. Donc ça, c'est à vous de le définir là-dedans. Ensuite, il va falloir que vous trouviez l'horreur que vous allez exploiter dans votre partie. Cette horreur, je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, ici, Find the Horror, elle est là. Ils appellent ça le Tombs. Donc les tombes, si vous voulez. C'est Transgression, Omens, Manifestation,
banishment, slumber. Je vous le traduis vite fait. Une transgression, c'est ce qui va faire que l'horreur va se réveiller. Ça peut être un acte, ça peut être des choses qui se passent, etc. Omens, c'est les manifestations. Vous commencez à ressentir des choses, à entendre, à voir. Et vous dites, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas clair là-dedans. La manifestation, l'acte 3, bah, c'est là où vraiment ça se révèle au joueur. Et là, c'est soit c'est la panique, soit on essaie de voir un petit peu comment on peut s'en sortir. L'acte 4, le bannissement, c'est en fait la façon dont vous pouvez éventuellement éliminer cette menace, ou pas, hein, ou la mettre sous quarantaine. Enfin voilà, à vous de trouver la solution pour bannir cette menace. Et slumber, la menace est éteinte, ou pas. Il peut y avoir des conséquences à plus long terme. Voilà exactement comment se décompose un scénario d'horreur SF. Sur deux pages, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour créer ce style de scénar. C'est assez incroyable. En termes de game design, j'avoue, moi, ça me laisse pantois. Donc voilà la première, hein, qui était comment choisir un type de scénario au départ. Donc on vous disait, par exemple, explorer l'inconnu, faire des investigations sur une rumeur étrange, quelle qu'elle soit, hein, bien évidemment, essayer de sauver ou de piller un vaisseau, à vous de voir, exterminer une menace d'autre monde, ça peut être visiter une colonie outre-espace, vous pouvez avoir une mission dangereuse, vous pouvez survivre à un désastre colossal, un vaisseau qui s'écrase, enfin voilà, je vous en passe des meilleurs, vous pouvez répondre à un signal de détresse, le classique, vous pouvez transporter un cargo précieux, quelle que soit la cargaison d'ailleurs, et vous pouvez faire un contact avec l'inconnu, l'au-delà, ils appellent ça Beyond. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'était pas connu encore avant. Voilà un petit peu les types de scénarios. On vous parle ensuite des settings. Donc là, vous avez une table de 1 des 10 si vous le souhaitez, mais vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez station spatiale, un centre religieux, ça peut être une colonie minière, un centre de recherche, une base sous-marine. Mothership, donc un vaisseau mère, etc., etc. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, je vous l'ai dit, Find the Horror. Ensuite, vous avez quelque chose à laquelle vous devez survivre. Donc vous devez survivre à un cauchemar, et vous aurez donc des rencontres violentes, des traumas psychologiques, des conditions environnementales assez catastrophiques. Ça peut être une baisse de pression, ça peut être une fuite d'oxygène, voilà. Tout ce qu'il faut pour que vous avez encore plus les pétoches, ça peut être des pressions sociales, puisque vous jouez aussi, comme on vous l'a dit, hein, les prolos de l'espace, les cols bleus, donc il peut y avoir aussi des révoltes, des révolutions, avec des factions, des choses comme ça, donc social pressure, ça peut être très, très sympa, et le fait que les ressources soient très rares, resource scarcity, donc ça, en plus, quand vous avez une difficulté d'accès à des ressources vraiment importantes, ça peut être compliqué. Et voilà un petit peu les considérations tactiques. C'est présenté comme ça. C'est assez incroyable. Donc un petit schéma avec tout ce qu'il faut. Vous allez avoir ensuite les questions, les puzzles et les réponses. Donc pareil, sous forme de schéma, avec des petits tableaux, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour créer vos petits puzzles, vos petites énigmes en fait, hein, à résoudre pour les joueurs. Et on vous explique ensuite, voilà, au fur et à mesure, bah, quel type d'épreuve vous pouvez leur mettre dans les pattes, etc. Comment créer des personnages qui sont intéressants, comment construire une carte. Alors ça, c'est assez extraordinaire aussi. On vous explique comment vous allez faire votre map directement, avec tout ce qui va avec. Qu'est-ce que nous avions dedans? Voilà un petit peu une situation sous forme de schéma. C'est dingue, hein. Donc voilà, vous avez vraiment la boîte à outils par excellence pour créer votre univers, votre scénar, votre type, et surtout de comprendre l'esprit Mothership. Il est dans ce bouquin. Les règles, si vous voulez, elles se rapprochent un petit peu de la tendance OSR, même si ce n'est pas de l'OSR en termes de D20. On est sur du D100 avec 4 caracs, mais on est vraiment dans la mouvance de l'OSR en termes de un système minimaliste assez létal sur des parties one-shot ou des mini-campagnes. Voilà, c'est cet esprit-là, en fait, qui est derrière Mothership, et cet aspect modulaire qu'on va voir ensuite. Donc, là-dedans, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour créer un scénario, un setting typé Mothership. Je peux pas vous le dire. Ensuite, on vous explique même comment faire vos règles maison. Comment vous pouvez les intégrer dans du Mothership. Donc, c'est vraiment très, très, très bien foutu. Donc, vous allez avoir toutes les rencontres, comment les gérer, comment gérer les vaisseaux,
les rencontres, regardez-moi ce dessin, c'est extraordinaire. Ça vous donne un petit peu le type d'univers que vous pouvez avoir. Quoi d'autre? Vous pouvez avoir donc les types de campagnes, les voilà, avec les petits dessins qui vont bien, les types de personnages. Donc les space truckers, les mercenaires privés, les explorateurs, les chiens de guerre, les inspecteurs corporatistes, les colonies, les colons, les Crashlanders, bon, alors ça c'est ceux qui essayent de récupérer tout le loot possible, les raiders d'hyperespace, les mineurs et les chasseurs de primes. Voilà un petit peu. Ensuite, comment créer les interactions au niveau d'une carte, les légendes, etc. Comment créer les factions, les interactions entre les différentes factions. Et à chaque fois, c'est 2 pages, 3 pages, 4 pages maximum. Comment ça marche au niveau des méga-corpos, les payes, etc. Parce que bien évidemment, tout tourne autour de l'argent. Hein. C'est aussi pour ça que les prolos dans Alien sont embarqués sur le Nostromo. Hein. Comment customiser votre campagne, etc., etc. Et voilà un petit peu le schéma que ça peut donner pour générer des parties de Mothership. Donc on vous dit, les sous-genres de l'horreur, ça peut être une horreur médicale, une expérimentation qui part en vrille, des pouvoirs psychiques, une prophétie, de l'occulte, des cultes, bref. Voilà, où trouver ces inspirations. On vous redonne une petite liste de choses à lire. Donc, The Long Rain de Ray Bradbury, Les Étoiles de Notre Destination d'Alfred Bester, Le Nom du Monde et Forêt d'Ursula Le Guin, La Guerre Éternelle de Joel Deman, Alien, bien évidemment, Stalker de Tarkovsky, The Thing de Carpenter, Event Horizon, Starship Troopers, Planet de Makoto Yukimura, Pitch Black. Si Pitch Black, c'est pas du Mothership, je sais pas ce que c'est. Etc, etc, il y en a plein, et on va s'arrêter là, donc vous voyez, planète, faction, et à chaque fois, c'est du blindé. Voilà, sur les modules, je vous passe le Shipwreckers Toolkit, voilà, on va vous présenter différents vaisseaux, et puis comment les créer, tout simplement, et avec la petite fiche de perso du vaisseau, qui lui a, donc des G, donc thrusters, donc c'est les accélérateurs, les moteurs. Son jet de bataille, en fait c'est son score de combat, hein, tout simplement, et les systèmes, toute la partie mécanique, etc. Donc il a 3 méga caractéristiques, avec des jets de sauvegarde, hein, en armement, méga dommage, et points de structure. Voilà un petit peu, vous allez avoir un plan des différents ponts, s'il y en a, ce que vous pouvez transporter, etc. Voilà, la fiche de perso, hein, c'est aller comme sur la fiche de perso. Hein. Donc on va vous expliquer comment créer votre vaisseau, et ensuite vous aurez toute une liste de vaisseaux. Voilà à quoi ça ressemble. La petite fiche d'identification, un petit schéma, les différents endroits que vous pouvez y trouver. Ça tient sur 2 pages ou 4 pages. Ça peut aller aussi sur des gros vaisseaux. Alors ça fait très RDSF années 70, hein, c'est fait exprès. Ça va avec. Et voilà, et ça, celui-là, il nous fait dans les 44 pages aussi. De toute façon, je crois qu'ils font quasi tous 44 pages. Et le dernier module dont je voulais vous parler, vite fait, donc, Unconfirmed Contact Report, je pense que c'est mon préféré, parce que vous allez avoir ce genre de truc. Vous allez comprendre pourquoi j'adore ça. Voilà. Là, il y en a 2, hein. À chaque fois, c'est une page. Voilà le genre de rencontre que vous pouvez faire. C'est des exemples, hein. C'est pas particulièrement la base de ce que vous pouvez avoir. Mais c'est des exemples. Vous allez avoir un petit historique de ce que c'est, éventuellement des caractéristiques. Vous pouvez... vous pouvez taper le truc, mais c'est vraiment plutôt des manifestations, ce genre de choses. Vous voyez un peu. Ça, c'est ce que les gens ont vu, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'était. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant au niveau de la présentation. C'est plus des enregistrements et des choses comme ça. Donc, super, super supplément. Maintenant, après, à vous de voir si vous souhaitez en utiliser, les intégrer dans vos parties ou créer les vôtres. C'est vraiment le but. Et enfin, il y avait un scénario, donc Bug Hunt, une chasse au... C'est un peu du Starship Troopers, mais à la sauce Mothership, c'est-à-dire que ça va pas super bien se passer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est Mothership en termes de règles, etc., de ce que vous allez pouvoir trouver dans la boîte de base. Et je pense qu'on a fait, le tour de ce que c'est réellement. Maintenant, ce qui a fait la force de Mothership, c'est pas le jeu lui-même. Le jeu lui-même, comme vous me l'avez posé comme question et comme je vous le dis, c'est une boîte à outils. Qui dit boîte à outils dit des gens qui qui se le sont appropriés et qui ont produit leurs propres modules. Parce que la force de Mothership, c'est les modules. Et il y en a dans
dans tous les sens. Donc je vais vous en faire, vous voyez, là, ça c'est tout ce que j'ai pledgé ou acheté, etc. Il y en a une grosse tripotée. Le but, c'est pas de vous parler de tout ce que j'ai, ça n'a aucun intérêt pour ce soir en tout cas. C'est plutôt de vous montrer les différents types de modules que vous allez pouvoir rencontrer pour Mothership. Alors hop, j'essaie de pas tout mettre n'importe comment. Vous allez avoir ce qu'on appelle les pamphlets. Si je le retrouve, le voilà. Le pamphlet, c'est ceci. Alors là, c'est Claude Impresse, mais vous en avez sur divers styles. En fait, c'est une page à 4. Enfin, un petit peu plus petit, hein, parce que c'est le format américain. Une page à 4. Recto verso. Dedans, vous pouvez avoir un scénario, une station spatiale, un vaisseau spatial, des petites règles, etc. Généralement, c'est plutôt des mini-scénars, parce que comme vous avez vu, la structure d'un récit Mothership, bah, elle n'est pas non plus énorme, donc vous pouvez mettre juste quelques points, dessiner une station, etc. Et hop, vous avez votre scénario Mothership, voilà, ça tient là-dessus. Donc ça, c'était pour Claude Impresse, qui est un setting science-fantasy écologique. Là, vous aviez donc le protocole solo, c'est les règles solo pour y jouer. Voilà. Donc ça, c'est le format pamphlet que vous allez retrouver. Généralement, vous les retrouvez entre, je crois que c'est 5$, voire 6 ou 7 si vous l'achetez en France. Donc c'est le petit prix pour avoir un petit truc. Vous allez avoir ensuite des modules qui tiennent sous cette forme-là. Des petits livrets. Celui-là, il fait 10 pages. 12 pages. Et quand je dis 12 pages, c'est que, comme je vous l'avais dit, on commence tout de suite dès l'intérieur. Hein. Voilà. Donc 12 pages qui sont toutes utilisées. Donc ça peut être, bah là, vous voyez, c'est The Last Voyage de Bean Barge. Alors celui-là est carrément un petit scénar avec ce vaisseau. Voilà un peu le style de module. Donc là, on monte un petit peu dans les descriptions. Vous allez avoir ensuite des modules un peu plus dodus. Donc là, j'avais par exemple Mirror Image. Voilà, par exemple. Et celui-là fait une trentaine de pages. Là, on prend un petit peu plus de temps. Déjà, la maquette, elle change un petit peu, comme vous pouvez le voir. Les illustrations sont un petit peu autres. Hein. Voilà, ça c'est généralement plutôt du scénario. Je dis bien généralement. Celui-là, par exemple, c'est une révolution. Super sympa. Pareil, il a un style graphique qui est assez incroyable. Vous voyez ça, la station qui se situe en hauteur. Donc, c'est la tour de terraformation. Et à chaque fois, c'est des settings très différents. Alors, bah, oui, bon. Hein, des fois, il y a des trucs chelous dans les stations. Et il y avait un truc qui m'avait beaucoup plu. Bon, bref, peu importe. Donc, voilà, c'est un petit truc. Vous pouvez avoir des choses un petit peu plus dodues. Vous voyez. Donc là, on est sur du plus de 90 pages. Là, Orbital Debris, c'est un setting complet. Imaginez un astéroïde avec en son centre une intelligence artificielle qui est partie dans son truc à elle, qui était, vas-y, va récupérer tout ce qui traîne dans la ceinture d'astéroïdes. Au niveau des satellites, tout ce qui traîne, quoi. Les scraps. Voilà. Sauf que elle le fait tellement bien que y a des vaisseaux qui se plantent dedans et qui se font récupérer au fur et à mesure et que l'IA, elle a un petit peu... Voilà. Donc vous avez toute la description du setting. Et surtout, vous allez avoir, alors ça je trouve ça extraordinaire, voilà. Ça, c'est le système Mothership, c'est le système que vous trouvez dans beaucoup de productions indé, genre par exemple Forbidden Lords, hein, chez Freelig, que vous avez dans l'OVCR, etc. C'est les X-Map. Donc là, vous avez un gros paquet, voilà, comme vous pouvez le voir, de d'ex à aller visiter, avec les factions, les différents endroits, ce que vous allez pouvoir y trouver, les différentes intrigues, etc. Et à chaque fois, hop, vous voyez, vous aurez la description de tout ce qui s'y passe. Et alors celui-là, l'avantage, c'est que vous avez en plus un gros paquet d'auteurs qui ont œuvré dessus. Donc là, vous avez des gens qu'on va retrouver assez souvent. Donc Terry Erck, Marco Serrano, James Hanna, Christian Sorel, enfin voilà, il y en a beaucoup qu'on va retrouver dans d'autres modules, donc par exemple Orbital Debris. Donc là, on attaque des trucs un peu plus dodus. Là, on a Jet McFinn, c'est un petit supplément si vous aimez les planètes aquatiques. Et là, pareil, on va vous décrire un cadre de campagne, donc une centaine de pages en fait, hein. Un cadre de campagne, des accroches de scénario. Hein. Parce que, pareil, les scénarios, c'est la trame que je vous ai montrée dans le bouquin du maître, du Warden. Donc ce n'est pas des scénarios que vous pouvez imaginer hyper détaillés, c'est plutôt sur la structure Ténèbres sur la forêt noire, de l'anneau unique.
c'est pas des vrais scénarios hyper structurés, c'est plutôt une trame sur laquelle vous allez créer vos histoires en tenant compte donc de la montée en tension jusqu'à une résolution finale à la sauce Mothership. C'est vraiment toujours ça qu'il faut avoir en tête. Que ce soit d'ailleurs, je vous ai dit, il y a de l'horreur sociale, hein. Des gens qui exploitent un petit peu trop d'autres personnes, bah, au bout d'un moment, ça finit en révolte. À vous de choisir votre camp, camarade. Donc là, bah, c'est un petit peu le truc hein, sur The Ocean Endless and Meridian. Donc je laisserai découvrir. Celui-là, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, parce que vous arrivez sur une planète qui était une perle, en fait, hein, et qui est partie un petit peu en sucette. Voilà, donc vous avez ce genre de module. Vous avez ensuite en attaque sur du cartonné, donc je prends par exemple 10 Ship is a Tomb, celui-là, vous pouvez le voir, vous avez tout de suite ce que vous allez faire. Vous avez votre petit vaisseau là en rouge, là, qui tombe sur un énorme vaisseau, et ben vous allez explorer un petit peu tout ce qui s'y trouve. Voilà un petit peu la maquette. Bon, moi, ça fait très alien hein, au niveau de la maquette, on va pas se mentir. Hein. Voilà, un petit peu ce genre de choses. Sauf que là, on attaque des choses avec un mini écran qui vous explique tout ce qui va se passer. C'est pas vraiment un écran, plus un rappel de choses. Donc, vous voyez, ça, on commence à monter en gamme au fur et à mesure des modules. Et à chaque fois, c'est des nouvelles classes de perso, des nouveaux types d'intrigues, etc., etc. Si vous voulez accès plus social, vous avez par exemple ce module-là, qui est un de mes préférés, justement, Tide World of Mani. Là, vous arrivez carrément sur une planète où c'est la pétaudière entre les différentes factions. Vous allez un petit peu mettre le feu aux poudres pour révolution, hein. Voilà, on est en plein dedans. Donc ça peut être sympa. Hop, bonsoir Yevendil. Vous avez par exemple celui-ci, si vous préférez un peu la version Megacorpo, outsourced, donc ce Lucofin Corp Deception. Donc là, en fait, vous êtes carrément des expériences, des jeux un peu chelous d'une Megacorpo. Vous voyez un peu, hein, on dit ça, on dit rien. C'est un peu pour vous montrer les différents types d'aventures que vous pouvez avoir. Et enfin, celui-là, je ne résiste pas à vous le montrer, Ulbrich. Alors, c'est le Maus, puisqu'il a carrément sous-signé. Celui-là, il est beaucoup plus cher, et il fait, je vais essayer de vous retrouver le nombre de pages, parce qu'il était beaucoup plus gros. Je crois qu'on est à plus de 200 pages, hein. Carrément 200, 220 et quelques. Alors, Ulbrich, c'est beaucoup, enfin, c'est carrément ce qu'on appelle des modules d'anthologie. C'est-à-dire que vous allez avoir 26 brand new third party supplements. Donc vous allez avoir des objets, des aventures, un cadre de campagne pour utiliser tout ça. Donc vous allez avoir plusieurs auteurs, bien évidemment. j'essaie de voir, c'est le premier volume, en plus c'est marqué. Donc Yann Hussem, Lone Archivist, Eric Hill. Donc vous voyez, il y a du gros monde. Vous allez avoir donc les types de campagnes. Ici, voilà, je vous montre un petit peu les différents types de mystères que vous allez pouvoir avoir. Qu'est-ce qu'on a dedans encore? Les types de missions, les différents lieux en plus, des entités supplémentaires. Assets, c'est des objets en plus, voilà, etc. Et voilà un petit peu déjà la maquette, quoi. La maquette, elle déchire. Je crois que c'est une grande force aussi de Mothership. C'est ce genre de choses où on alterne régulièrement. Morgborg avait montré un petit peu la voie hein, dans des maquettes un peu éclatées, vous voyez, hein, on change complètement. Et à chaque fois, selon les auteurs, vous allez avoir différents types de choses. Donc c'est plutôt des modules anthologiques qui vont vous proposer de nouvelles façons de jouer avec les règles de Mothership. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver. Et les derniers que je voulais vous montrer, donc c'était... j'essaie de retrouver ça correctement. Cloud Empress. Alors ça, j'en ferai une émission à part. Parce que alors là, on se sert de Mothership pour avoir carrément un autre type de façon de jouer qui est du Nausicaa-like. Voilà, science fantasy écologique, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. C'est clairement ça qui est émulé avec ces modules-là. Et c'est fait par Watt, et c'est assez extraordinaire. Vous déjà voyez un petit peu la maquette. Et dedans, en fait, voilà, c'est ressorti hein, en financement il n'y a pas longtemps. Il y avait toute une série, donc ça c'était le livre de règles à part. Vous aviez plein de petites choses comme ça, là, hop, 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 voilà. Vous aviez le pays des cigales, qui est le module d'aventure qui va avec. Et à chaque fois, des petits modules pour faire des petites aventures, etc., etc. Donc, vous voyez que Mothership peut servir à beaucoup de choses du fait de son aspect modulaire.
C'est vraiment ça qui a fait sa grande force et sa popularité outre-Atlantique. Alors pourquoi ? Parce que effectivement, je pense que ça s'est greffé dans l'aspect, dans la mouvance OSR qui cartonne hein, outre-Atlantique. Oui, avec les cigales, forcément, je suis au taquet. Mais voilà pourquoi ça. Enfin, une des explications que moi j'ai trouvées, c'est vraiment cet aspect où vous pouvez participer à l'aventure Mothership. Alors, une petite chose que je m'amuserai à faire, j'en discuterai avec des gens qui sont encore plus passionnés que moi par Mothership. Il y a une licence d'exploitation qui est gratuite et tout ce que vous voulez, mais vous devez soumettre votre projet à TUSD Night Games, qui a un droit de regard dessus, qui vous dira oui, oui, non, etc., qui peut-être vous donnera quelques conseils. Mais en tout cas, vous devez passer par ça pour pouvoir ensuite produire votre propre module. Donc c'est assez souple, ça vous permet assez rapidement de pouvoir proposer. C'est pour ça que vous avez régulièrement des Kickstarter et maintenant des Pledge Maker Kit qui sont lancés sur Mothership, dont je vous ai déjà, je vous en ai déjà parlé en long, large et travers pendant nos émissions, quand on faisait les rubriques actu au taquet des financements. Il y a toutes les semaines, 1, 2, 3 projets Mothership qui se lancent. Ça va du petit pamphlet que je vous ai montré au gros module. Le gros module, c'est un peu plus... Un peu plus long, bien évidemment. Donc voilà un petit peu sur l'aspect modulaire de la chose. Maintenant, ce dont je voulais parler, c'est aussi de Mothership et les autres jeux de rôle d'horreur science-fiction. Et parce qu'il n'est pas le seul. C'est un petit peu le truc qu'on a pu lui reprocher, enfin en tout cas ici, quand on a discuté avec les collègues, c'est que déjà, on a Alien. Il y a Alien chez Free League, qui est une merveille pour jouer de l'horreur spatiale avec son système de stress, enfin voilà, un super système, le Year Zero Engine, qui marchait très bien. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que Alien a son propre univers. On va jouer peu ou prou à peu près le même style de. On peut jouer à peu près le même style de choses. On retrouve les méga corpos, on retrouve l'aspect cracra de la technologie, on retrouve les menaces un peu cheloues. Bah, Alien, voilà, on espère tous un peu de xénomorphes, il y a des factions, etc. Il y a la Weyland-Yutani. Donc ça reste quand même deux choses différentes. Le Alien va jouer dans son propre univers, Mothership. Vous pouvez jouer du Alien, mais pas que, du fait de cet aspect modulaire. Donc je ne vais pas opposer ces deux-là, bien au contraire. Maintenant, on vous avait déjà parlé de deux autres jeux, et il y en a plein d'autres, hein, on ne va pas se mentir, hein, dans l'horreur spatiale. Deux autres jeux qui m'avaient beaucoup plu, et pas que moi, je sais qu'avec Antoine, on avait discuté, et puis les autres collègues. Je vous avais parlé de Those Dark Places, de Jonathan X chez Osprey Games, qui on espère sera traduit un de ces jours, qui permet de jouer strictement le même genre de choses. Mais avec un système, j'allais dire, encore plus simple. Voilà. Sauf que celui-là, comment vous dire, c'est toujours une boîte à outils, voilà, mais vous n'aurez jamais de module supplémentaire ni quoi que ce soit. Il n'est pas fait pour. Par contre, je pense que ils ont compris qu'il fallait peut-être développer quelque chose en plus pour ne pas souffrir de la comparaison. Non, parce qu'il y a une gestion du stress, etc., des horreurs spatiales, et tout, et tout. Et il y a eu un deuxième supplément qui s'appelait Pressure, dont je vous avais parlé, qui commence à développer un univers qui lui est particulier. Ce qui fait que ça lui permet de s'affranchir de l'aspect modulaire, de tout ce que vous pouvez créer. Donc j'allais dire, à la limite, vous pouvez utiliser le mini-setting qu'il y a là-dedans, dans Mothership. Donc je trouve que les deux sont assez complémentaires, mais on joue quand même sur le même type d'histoire. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Donc, si vous n'êtes pas un complétiste comme moi, ou un amoureux de la science-fiction, c'est sûr qu'il faudra faire des choix, et entre Mothership et celui-là, on verra un petit peu, ce sera à vous de faire les choix. Retournez voir notre critique de ça, et puis la critique de Mothership qui arrive d'ici quelques temps. Toujours dans la mouvance OSR, édité chez Free League, mais produit différemment, il y a Death in Space. Là, on est clairement dans l'OSR. Toujours pareil, on est sur le même type d'aventure, peut-être un peu moins horreur et plus... l'espace comme terre de danger. Oui, ce genre de choses. Puisque le pire du pire qui puisse arriver dans l'espace, c'est le vide. Hein. C'est quand même ça, hein, le pire, la pire horreur, c'est que vous avez quelques centimètres ou quelques mètres de métal qui vous sépare du vide. Et voilà, vous savez ce qui peut vous arriver. Donc, l'aspect Death in Space, maquette, etc., vous voyez, on a la vibe Mothership, hein, beaucoup de tableaux aléatoires, etc. Il y a ce côté aussi où vous pouvez créer des modules pour Death in Space, et j'en ai quelques-uns qui sont très bons. Maintenant, clairement, les deux sont sur le même terrain. Mais le même. Exactement le même. Et je dirais, alors là, c'est personnel, hein, le point de vue. J'ai plutôt tendance à aller vers Mothership que sur Death in Space. Tout simplement parce que le choix de module est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et tant qu'à jouer avec des règles
qui vous explique voilà, comment jouer l'horreur spatiale, autant aller sur Mothership, parce qu'il vous décortique complètement la montée en tension, comment vous la jouez, les différents éléments du scénario que vous devez mettre en œuvre, etc., que vous n'avez pas particulièrement dans Death in Space. Vous avez plein de conseils, mais pas au point de Mothership. Donc voilà un petit peu les deux autres. Et surtout, parce que là, je pense qu'on est quasi sur de l'identique, peut-être l'aspect modulaire en moins. Et là, on est en français, les enfants. Space Horror Stories, par l'ami Olivier, alias Alnomsis, qui est, lui, il va jouer plutôt sur vraiment le huis clos spatial horreur, à la Event Horizon. Vraiment, on est là-dedans. Avec une montée en tension, pareil, hein, avec un système de livret, de pions, etc. Avec les cartes. En fait, ce qui est supplémentaire, c'est les cartes de tension, qui font que de toute façon, ça va monter régulièrement. Et vous ne pourrez pas faire autrement, de toute façon, que de subir et d'essayer de survivre. Donc, Space Horror Stories, si vous voulez, c'est pas vraiment une concurrence avec Mothership, parce que vous jouez ce genre de choses avec Mothership, mais celui-là est vraiment dédié à une véritable montée en tension pour du one-shot. Ça, c'est pas un truc que vous allez jouer sur 3, 4, 5, 6 scénarios. C'est pas fait pour. Clairement, on est vraiment là pour souffrir, et c'est très punitif, et c'est très amusant, pour le coup. Donc Space Horror Stories, on vous le recommande fortement, on avait beaucoup, beaucoup aimé, on y avait joué aussi. Et c'est vrai que Mothership et Space Horror Stories ont pas mal de points communs dans l'aspect très pédagogique, de présentation des règles, d'expliquer comment fonctionne le scénario sous forme de cercle concentrique pour arriver au dénouement final, avec la montée en tension, comme je vous disais, sauf que ce qui est l'avantage de Space Horror, c'est les cartes de tension. Et j'allais dire, quelque part, vous pourriez les récupérer pour faire du Mothership. Pourquoi pas? Donc voilà un petit peu les différentes prods qui existent sur ce terrain-là. J'allais dire que la grande différence entre Space Horror Stories et Mothership, c'est qu'avec Mothership, vous pouvez construire tout un univers. En plus, vous pouvez développer, etc. Space Horror Stories, c'est vraiment un type de scénario défini à l'avance. Vous êtes dans un vaisseau, vous êtes dans une station. Les mêmes cadres que vous aurez dans Mothership de toute façon, mais sur une nuit, deux nuits, pas plus, et vous allez en prendre plein les dents, parce que c'est le but de Space Horror Stories. Mothership, c'est quand même des choses où vous pouvez essayer de vous en sortir. Voilà, un petit peu les différences. Maintenant, comme on avait parlé, Mothership, la VF, il a été annoncé donc chez Arkane Asylum Publishing. Alors, on pourra en parler pendant des heures de ça, mais on en parlera éventuellement avec l'éditeur s'il veut bien. Alors, c'est annoncé en VF. Comme je vous disais, chez nous, on a déjà Alien, déjà édité chez Arkane Asylum, il y en a Space Horror Stories. Maintenant, alors c'est une réflexion personnelle, et si vous voulez qu'on en discute, bah, n'hésitez pas à partager soit ce soir dans le chat, soit les commentaires YouTube, soit sur notre Discord. C'est, est-ce que ce genre de jeu peut fonctionner en France ? Puisqu'on est dans la mouvance OSR, hein, un petit peu, hein, c'est plutôt dans l'approche philosophique, si vous voulez. Est-ce que ce genre de jeu fonctionne réellement en France? Alors, on a eu l'exemple Dungeon Crawl Classic, il y a eu OSE, donc Original System, bref, bon, je suis très mauvais, moi, avec les acronymes. Enfin, il y a eu pas mal d'essais qui fonctionnent plus ou moins. Déjà, quel est le public? Est-ce que c'est des gens qui débutent en jeu de rôle? Est-ce que c'est des vieux grognards un peu comme moi? Voilà, c'est à voir aussi quel est le public cible, hein, comme toujours. Est-ce que la science-fiction, ça marche réellement en France? Alors, moi, j'aimerais que oui, hein, clairement. Hein. C'est pas vraiment le cas dans les ventes, hein, malheureusement. Après, c'est aussi à nous de montrer qu'il n'y a pas que Donge, etc. Shamrock, toi, tu dis qu'il n'y a pas un public suffisant. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord, puisqu'on a déjà Space Horror Stories, qui a bien marché, hein, pour une prod indé, qui est vraiment très cool. Maintenant, il a pas vendu 2000 boîtes, quoi. Après, il faudra lui demander. Mais en tout cas, c'est pas non plus le succès renversant, etc. Bon, il n'a pas la puissance de frappe marketing d'une autre maison d'édition, bien évidemment. C'est un peu dommage parce que le jeu le mériterait. Mais voilà, on est quand même sur, déjà, du jeu de rôle, qui n'est pas le loisir le plus répandu en France, on ne va pas se mentir, et dans le jeu de société. Vous allez ensuite sur le thème de la science-fiction, mais en plus, sur la science-fiction, vous tapez que sur l'horreur. En tout cas, sur l'étrangeté, etc. Vous voyez que vous tombez sur de la niche, de la niche, de la niche. Bonsoir Alexis. Une chaîne recommandée, j'aime bien votre sujet. Nous avons joué une campagne de Mothership. C'était vrai, ça reste plutôt simple comme système, ouais, carrément. Et ça se joue très bien, ouais. Et ça s'adapte à un univers qui peut être pas entièrement créé par le MJ. Ouais, clairement. C'est vraiment fait pour ça, de toute façon. J'allais dire, hein, si vous prenez Mothership en espérant avoir quelque chose qui est déjà tout construit, non.
prenez rien. Voilà. On ne peut pas vous le dire mieux. C'est fait pour. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que autant j'adore, je suis super content de voir que ça arrive en français et que ça puisse convaincre des gens qui sont anglophobes. Voilà. Autant pour des gens qui ont déjà les VO, un peu comme moi, etc., ça risque d'être plus compliqué. Parce qu'on attaque sur la niche de la niche de la niche de jus de rôle. Bonsoir, le barbare du Nord. Donc, j'avoue qu'en termes de succès, je me pose vraiment des questions. Et ça m'embête de le dire. Enfin, bon, il faut aussi en parler quand même. Oui, il y a beaucoup d'autres systèmes, ouais, effectivement. Là, je les remontre, hein, Death in Space et Those Dark Places en anglais, sans compter tous les autres. Hein, parce qu'il n'y a pas que ceux-là. Hein. Enfin, je veux dire, dès que vous avez un jeu avec un système qui fonctionne, vous pouvez être sûr qu'il y en a plein qui... Bah, parce que l'émulation créative, elle se nourrit les uns des autres. Hein. Ensuite aussi, voilà, c'est, bonsoir Talgaliel, de rendre la richesse de leadership avec tous les modules tiers à traduire et droit à négocier au cas par cas. Alors, de ce qui a été annoncé via Sandy Julien et Mathieu Saint-Tout hein, pour Arcane Asylum, il y a des modules qui vont être compris, des tiers parties, hein, qui seront compris en traduction. Or, lesquels, j'en sais rien. Très sincèrement, dans tout ce que je vous ai montré, pour moi, l'essentiel, c'est celui-là. Voilà, Ulbrich, et les trois que je vous ai cités qui sont de Twisted Night Games, à savoir Pawn of Flesh, Dead Planet, et je me souviens jamais du Gradient Descent. Voilà, ces trois-là, plus celui-là, vous aurez de quoi, bah, alors vous amuser, un bon paquet de temps. Après, si vous avez des jeux de science-fiction avec des settings qui sont déjà là, je pense par exemple à Chroniques oubliées galactiques, Traveler qui va arriver, qu'est-ce qu'on a encore en jeu de science-fiction, Star Wars, je le mets, c'est un cas à part Star Wars. Après, vous pouvez tout à fait faire de l'horreur spatiale dans Star Wars, c'est pas du tout incompatible, c'est pas vraiment fait pour, en tout cas, mais pourquoi pas. The Expanse, effectivement, je te remercie. Donc, il y a pas mal de choses où vous pourriez utiliser les règles de Mothership ou faire de l'horreur spatiale dans ces univers-là. Rien ne vous l'interdit, en utilisant le Warden's Operation Manual, donc qui sont tous les conseils pour mener un scénario d'horreur spatiale. Ça, c'est, je pense que le plus intéressant, c'est vraiment ça. C'est, on vous décortique vraiment par A plus B comment vous faites ce genre de scénar. C'est royal. Et les suppléments, 50% de vente en moins. Oui, miser sur une gamme, ça va être compliqué, tout à fait, Shamrock. C'est un peu les, voilà, la réflexion que je me fais bah, avec vous, hein, du coup, c'est un peu le but. Hein. C'est quel avenir pour Mothership en France ? Je me pose vraiment beaucoup de questions. J'espère que ça va marcher. Je ne peux pas vous dire mieux, parce que j'adore. Hein, je pense que je vous ai assez rabattu les oreilles avec le truc. Comme je vous disais, hein, je ne vais pas être tout seul à vous en parler. Assez rapidement, enfin, dès que les plannings seront alignés, on a prévu des émissions pour décortiquer plus en détail le système, même s'il n'est pas compliqué. Hein, mais on essaiera de vous décortiquer bah, les différents suppléments, etc. Donc on sera quelques-uns à venir vous faire des vidéos d'ici la fin d'année. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on attaque la dernière partie qui est le mois Mothership sur Baker Kit. Je vous ai dit, hein, depuis le 12 novembre, il y a des financements participatifs qui ont été lancés, et pas qu'un peu. Hein. Hop, j'essaie de virer un petit peu tous les onglets que j'avais. Voilà, on est mieux, et je vais vous présenter ça. Allons-y. Hop là, voilà, le mois Mothership. Donc c'est... Alors, à la base, c'était une vingtaine de suppléments pour Mothership, dont le flagship, donc le vaisseau amiral de cette vague de financement, qui est donc Wedge of Sin, qui est ici, et qui est produit par Twisted Night Games, donc créateur original du jeu. Là, vous allez avoir, sous forme de hardcover, comme je vous ai montré, comme Ulbrich, hein, ce genre de format. Et là, c'est tout ce qui tourne autour des chasseurs de primes. Mercenaires, ce genre de trucs. C'est absolument tout là-dessus. Bounty, Hunting, Toolkit. Donc là, bah, vous voyez que c'est déjà financé. Hein. Il y a déjà plus de 4200 backers hein, dessus. Hein. Donc déjà 340 000 dollars. Vous voyez que ça ne cartonne pas du tout. Hein. Et vous allez avoir donc plus de 200 pages. Donc une centaine de scénarios, 200 personnages PNJ, plus de 50 mondes. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser. Ou 10 primes terrifiantes. Tout ce qu'il faut pour vous amuser avec un type de campagne spécifique qui sont les chasseurs de primes. Et tout ça pour 50 boules, si vous, enfin 50 dollars, si vous voulez le hardcover. Faites attention aux droits de douane, aux frais de port et tout ce qui s'ensuit. Hein, quand même, faut toujours faire attention à ça. Voilà un gros bouquin en tout cas qui permet de balayer tout un spectre de types de campagne que Mothership avait esquissé en fait dans les îles de base.
Peut-être juste un burst en français. Bah, il y a déjà du Hino, hein. Clairement. Hein. Alors, je vois quelques petites questions, j'en profite. Une question au sujet de ce jeu. Un système proche du décent, sauf le stress. Est-ce que c'est pas un risque, car tout existe déjà? Alors non, non, tout n'existe pas. Tu as, alors, avec le décent, le système basique, tu as l'appel de Cthulhu, bien évidemment, qui gère la santé mentale, le stress, que tu peux appliquer à d'autres types d'univers, hein, bien évidemment. Pas que du Cthulhu. Hein. Tu as, donc, comme je t'ai dit, Space Horror Stories, tu as Alien, tu as pas mal de choses, tu as des prods indé, tu as Outer Space, hein, par exemple. Ben voilà, il y a pas mal de choses qui existent. Maintenant, Mothership, il a vraiment un aspect à part. Maintenant, comme je t'ai dit, ça reste une prod indé qui a mais méga cartonné aux États-Unis. Chez nous, je ne sais pas si ça cartonnera pareil. Je ne peux que l'espérer. Voilà. Je peux que vous dire ça. Je ne peux que l'espérer parce que c'est vraiment un système qui vaut le détour. Il est à la fois simple et à la fois assez modulaire pour s'amuser. Parce que dans certains suppléments, on vous crée une classe supplémentaire de personnages. Vous pouvez rajouter ou pas. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses qui peuvent se rajouter au fur et à mesure de vos besoins. N'oubliez jamais, hein. C'est pas parce que vous avez dans différents suppléments des trucs qui sont rajoutés que vous devez les intégrer. C'est vraiment en fonction du type d'histoire que vous voulez raconter et que vous voulez partager avec les joueurs. C'est ça, tout ça qu'il faut toujours garder en tête. Donc le premier financement, donc c'est Wedge of Sin qui a donné un peu, si vous voulez, le thème de cette vingtaine de suppléments de donc à la fois l'éditeur de base et les tiers parties. Voilà un petit peu. C'est pour ça que je voulais pas vous présenter tous les financements de Mothership, mais je dis que c'était l'occasion de vous faire une présentation de ce que c'est. Rapide, alors, pas trop dans les détails comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que je radote, hein, c'est terrible. Et puis ces différents projets de financement. Et ensuite, on va essayer de les voir un petit peu tous. Par exemple, vous avez ici Knowledge Asymmetry chez Columbary TTRPG, 300 Baker. Là, c'est des factions de vilains, des vilains de voilà dans le système solaire, un peu l'Asie Expanse, si vous voulez, hein, ceux qui sont dans la ceinture d'astéroïdes, etc. Voilà, si vous voulez des petites factions. Bah voilà, pour $15, vous avez un PDF qui vous suffira amplement. Vous avez ensuite Straight Arrows, qui a l'air beaucoup plus intéressant pour le coup. C'est un cadre de campagne, en fait, hein, tout simplement, où on va vous envoyer. Arrow, c'est un monopole interstellaire qui vous envoie faire des choses, vous voyez, un petit peu des trucs. Ça a l'air pas mal comme scénar, comme cadre de campagne. À vous de voir si vous aimez ce genre d'univers. Bon, c'est pas trop macabre, mais pourquoi pas. Vous allez avoir ensuite Omen Drum. Alors, celui-là, il m'a rappelé tout de suite dans le pitch Channel Fear de Inno. Puisque là, cette fois-ci, donc, c'est vous allez jouer des mini-adventures alors que vous êtes là pour filmer, en fait. Vous êtes des gens qui filment pour une chaîne un peu bizarre, en fait. Hein. Donc, ça peut ressembler à Channel Fear sur ce côté-là. Mais sauf que vous êtes des mercenaires. Donc, à vous de voir ce que vous allez filmer. Hein. Ça peut être des trucs qui sont au-delà de votre moralité, quoi. Donc, j'aime beaucoup le pitch de filmer l'horreur, en fait. Franchement, ouais, ça donne assez envie, celui-là, j'avoue. Ouais, ça, je reviendrai après sur Arcane, effectivement, etc. Je vais juste balayer vite fait les différents projets. Donc, 90 secondes jusqu'à minuit. Alors celui-là, vous voyez, 12 pages, c'est les petits modules dont je vous parlais. C'était une colonie de loisirs auparavant, qui est partie en sucette, et c'est à vous de savoir ce qui s'est passé. Sauf que, regardez-moi ça, c'est juste très chouette, ou pas. c'est pas celui-là qui est le plus beau, mais en tout cas, voilà, ça peut être un petit pitch d'aventure, comme je vous disais, c'est des petits modules, qui sont aussi super intéressants. Vous aurez ensuite Syndicate Westrails. Donc pareil, des gangs et des gens pas très recommandables, ce qui va avec donc le Wedge of Sin, donc le bouquin sur les chasseurs de primes et contrebandiers. Donc c'est des syndicats du crime que vous, si vous avez envie d'en rajouter. Vous allez avoir ensuite Devil's Due. Alors celui-là me plaît beaucoup. C'est un havre de pirates de l'espace, tout simplement. En termes de campagne, et alors là par contre on est sur du truc mouse. Déjà vous voyez un petit peu, hein, on est quand même sur quelque chose d'assez classieux. On est sur une centaine de pages. Et là, on va vous présenter. Donc, vous voyez, 12 écrivains, plus de 20 contributeurs, etc. C'est des équipages de pirates, une planète pirate, etc. Tout ce qu'il faut pour avoir l'équivalent de Libertalia, mais dans Mothership.
Donc, ça peut être super sympa. Vous voyez un petit peu comment c'est fait. Franchement, celui-là me tente beaucoup, pour pas dire plus. Vous voyez un petit peu ce genre de choses, toujours un peu cracra au niveau technologique. Donc, il y avait celui-là. Hop. Ensuite, on avait Dog Eat Dog. Alors, celui-là, voilà. Alors, il y a eu une catastrophe sur la Lune. Tous les chiens ont disparu de la Terre, ça fait un siècle. Et alors là, c'est un cadre de campagne dans une prison. Vous allez devoir essayer de vous échapper. Il y a des chiens, mais pas vraiment des chiens. Donc, c'est de l'horreur à la Mothership. Donc, à vous de survivre à la prison. Ça a l'air pas mal barré aussi, hein, vous voyez. Il y a carrément des actual plays qui existent sur la chose. Vous voyez un petit peu les toutous qui vous regardent un peu bizarrement quand même derrière cette petite porte. À voir, franchement, à voir. Ça donne très envie, ceci dit. Vous voyez, par exemple, ça, c'est les chiens. Ça, c'est des trucs qui ne sont pas des chiens. Ça ressemble un peu au Flerken, quoi. Bref, voilà. Ça, c'était Dog Eat Dog. Donc, on est déjà à 8. On va essayer d'accélérer. Ensuite, on a un autre module qui est The Dose Makes the Poison. C'est un petit module scénaristique qui passe plutôt au milieu scientifique. Donc, voilà, petit module pour celui-là. Vous allez avoir ensuite, hop là, allons-y, il y en a qui sont... Alors celui-là, par contre, pareil, fait partie des tops, dans le top 5 de ce qui est proposé, Awaiting the Burning Gods. Si vous aimez Indiana Jones et Stargate, allez-y, plein pot. Sauf que, vous voyez, il y a des trucs un peu chelous qui vous attendent derrière les portes. Mais ça a l'air vraiment, vraiment... très. D'ailleurs, vous voyez, plus de 1400 contributeurs. On est sur un gros projet. Vous voyez, un peu classique, classieux, quoi. Je rentre pas trop dans le détail, mais en tout cas, donc c'est 32 pages, mais vous avez d'autres choses dans la boîte. Hein. Voilà. Ça a l'air vraiment très bon. Alors, le physique, c'est canadien, celui-là, vous voyez. Et là, vous avez Awaiting the Burning Gods, un écran, un poster, les dés, sheetpad, ok, les patchs, etc. Bon, bref, une belle boîte, si vous avez envie d'aller plus loin, puisqu'ils ont fait d'autres trucs. Donc ça, ça a l'air vraiment, vraiment très, très bon. Vous allez avoir ensuite Interloper Sandbox Mystery, Joel Hines, que j'aime beaucoup en tant que créateur aussi. Donc là, c'est de l'enquête sur une planète avec pas mal d'aspects boîte à sable, en fait. Et c'était une planète utopie qui est en train de se refroidir à cause de son étoile. Et y a quelqu'un qui a été retrouvé mort, vous allez devoir enquêter. C'est vraiment de l'enquête sur un truc où il s'est passé des trucs un peu chelous, un peu façon peut-être Docteur Moreau, vous voyez, ce genre de truc. Donc ça a l'air très très bon. Où j'en étais, Orgy of the Blood Leeches. Alors là, on est sur des trucs hyper cracra qui jouent avec les codes du sexe, etc. Donc je vais passer un peu plus, mais c'est une enquête qui va jouer sur des codes très matures. Donc voilà, sachez où vous mettez les pieds. Ensuite, on a, hop, ici, Survivor of the Core Wars. C'est simplement des cartes de NPNJ. Bon, à vous de voir si ça vous intéresse. C'est pas mon cas, mais pourquoi pas. Vous allez avoir ensuite What Was Left to Rot. C'est une infection. Bah, vous d'essayer de savoir ce qui s'est passé et de survivre accessoirement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme module? Hop là, PK49, pareil, il fait partie du top 5 que je me suis mis de côté. Là, on va taper dans le psychokinésique. Les pouvoirs psychiques. Avec des drogues, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des méga-corpos derrière? Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une entité, etc. Ça va être à vous de voir, vous avoir tout un module là-dessus. Ça a l'air excellent. Puis en plus, le narchiviste, j'adore ses prods. Donc, le top. On en cite sur Not Enough Scoundrels. C'est Space Trucker. Voilà, si vous voulez un petit peu de... Un petit fanzine, 32 pages, qui vous décrit un petit peu plus ben, les camionneurs de l'espace, quoi. Voilà. À vous de voir. Ça rajoute plus de la matière, si vous voulez, plus que du jeu. Vous avez ensuite Opération Golden Cut. Donc là, on est sur une campagne plus militaire, sur une lune. Donc voilà, à vous de voir un petit peu. Je passe un peu plus rapidement, parce que là, sinon, on se fait encore 2 heures. Daedalus Station, The Rim Space Racing League. Pareil, top 5 aussi, puisque c'est un hub d'aventure. Vous allez avoir en fait un module qui va vous décrire une station pirate. Voilà, sur lequel vous pouvez, si vous jouez ce type, voilà, les chasseurs de primes, les pirates, etc., vous allez avoir toute une station sur laquelle vous allez pouvoir accoster, faire le plein, etc., etc. Mais en plus, il y a des dingos là-dedans, qui sont des fans de courses et de ce genre de choses, courses de pod et autres. Donc ben, voilà, si vous aimez ce genre d'univers un peu barré, où on est plus dans la compétition, Daedalus Station, ça a l'air assez sympa, pour le coup.
qui change un peu le cadre. Bien évidemment, on est dans Mothership, hein, donc il va se passer des trucs en plus. Ensuite, on a Death Pays All Debt. Donc là, c'est plus de l'aventure méga corpo, puisque vous voyez cette jolie tour, il y a des choses encore en dessous à explorer avec différentes factions. Vous avez ensuite Johnson Squared, Farcical Wood Unit. Donc là, c'est du mystère, mais façon Mothership. Et le dernier, The Iron Hive, qui a l'air aussi pas mal du tout. Là, c'est pareil. Une station orbitale, une station spatiale en tout cas, avec différentes factions à l'intérieur, façon Pandorum, pour ceux qui auraient vu le film. Un peu ce genre d'univers. Donc voilà un petit peu sur les différents financements du mois Mothership. Quand je disais qu'il y en a quelques-unes qui vont être financées, bah, vous avez bien compris, quand je disais top 5, il y en a au moins 5 qui vont y passer. Maintenant, j'aurais tendance à vous dire que si vous aimez Mothership, si vous aimez la richesse de ce genre de module, Wage of Sin, ça me semble être un incontournable. Parce que vous allez pouvoir jouer tout ce qu'il faut pour les campagnes de chasseurs de primes. Plus d'autres petits modules qui ont l'air quand même assez sympas pour changer un peu de l'aura spatiale et être sur d'autres thématiques, en tout cas. Donc voilà un petit peu le mois Mothership, ce dont je voulais vous parler. Je pense que j'ai fait un tour quand même pas mal. Je reviens sur la VF, parce que j'ai vu que vous échangiez sur Arcane et la VF. Voilà. Donc toi, le barbare disait qu'il est déjà MJ. Tu as déjà fait ce genre d'histoire sans avoir Mothership ? Effectivement, on a déjà fait de l'aura spatiale, ça, y a pas de souci. On a tous vu Alien, je pense, en tout cas dans notre génération. Donc on a ce genre d'univers, de type d'histoire qu'on aime raconter pour faire peur aux joueurs, etc. On n'a pas attendu Mothership pour le faire jouer. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Là, c'est juste que si vous voulez, avec Mothership, on a vraiment une boîte modulaire qui est conçue vraiment pour ce type d'histoire. Pas sur d'autres types d'histoire. Ou alors avec pas mal d'adaptations. L'apport, comme je te disais, parce que je vois que tu mets ça, l'apport de ce type de jeu, c'est vraiment l'aspect modulaire. C'est vraiment ça qui fait la force. S'il n'y avait eu que les 44 pages, qui avaient déjà bien marché, hein, parce que c'est quelque chose qui cartonne, ça, outre-Atlantique, que nous, en France, on a peut-être un peu plus de mal à appréhender, c'est que l'aspect je vous propose des règles génériques avec tel type d'histoire, voilà comment vous pouvez mettre ça en sauce, ça marche. Chez nous, ça a beaucoup plus, le système générique a beaucoup plus de mal à prendre. C'est fort dommage, hein, moi je le regrette hein, personnellement. J'aime bien l'aspect modulaire d'un système générique que tu peux ensuite rajouter des briques, en enlever, etc. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît, en tout cas, quand je crée des histoires. Et ce qui fait qu'il apporte quelque chose, c'est que c'est les différents modules qui apportent. C'est pas le jeu lui-même. C'est les différents modules dans la façon de raconter d'autres types de scénarios, d'autres types de campagnes, des cadres de jeu, des aventures, etc. C'est ça la force de Mothership, en fait. Faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Ensuite, hein, je pense que là, effectivement, tu cernes un petit truc, quoi. La passion d'éditeur dans Arcane lui fait croire en des projets trop niches pour des versions FR. Surtout avec la conjoncture actuelle. Alors, la conjoncture actuelle, malheureusement, elle fait que on est dans la crise des financements, hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les éditeurs eux-mêmes, hein. Pas la fin du modèle, mais en tout cas, il va falloir que le modèle soit revu, pas refaire une émission sur le financement. C'est pas le but. Mais pour avoir un peu discuté il y a quelques temps avec Mathieu Saintoux, faut pas oublier aussi qu'il a des gammes plus mainstream, entre guillemets, qui vendent très bien, hein, du Alien, entre autres. Voilà, il y a Blade Runner, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin, voilà, il y a pas mal de gammes chez eux, hein, la gamme des Ténèbres aussi. Donc il y a pas mal de gammes qui fonctionnent, où il peut se permettre aussi d'éditer des coups de cœur. Parce que c'est aussi ça, le travail d'un éditeur, faut jamais trop l'oublier. Quand vous êtes à un certain niveau, en tout cas, hein, d'édition, je pense par exemple à un Black Book, hein, on est sur le même genre de type d'éditeur, vous allez avoir des gammes porte-étendard qui vont faire tourner la boutique, et vous allez pouvoir vous permettre aussi d'éditer des choses, quelle que soit la conjoncture. Voilà, le but c'est aussi qu'ils rentrent dans ses frais, bien évidemment. Bon, on le voit avec Shiver par exemple, mais clairement, éditer ce genre de jeu, quand vous appelez Arcane, c'est pas pour faire de la thune. Alors bah, vous essayez au moins de rentrer dans vos frais, hein, c'est la base, mais clairement vous le faites parce que c'est un coup de cœur, parce que vous avez vu la maquette, parce que vous avez vu ce que ça peut proposer d'original en plus. Ça peut se comprendre. Si vous voulez, c'était un... C'est pas péjoratif ce que je dis, mais une prod indé, on essaie de se lancer à un ou deux, ce serait plus compliqué. Alors, en tout cas, vous ne feriez pas ça pour gagner de l'argent, ça c'est sûr. Pas avec ce type de jeu. Et puis surtout, je vous le redis à nouveau, parce que nous, ça avait été un gros coup de cœur, on a quand même Space Horror Stories pour jouer les scénars à la Dead Space, quoi. Ça existe, c'est dispo en commerce, hein, 59,90€. Maintenant, à voir ce que... Alors, c'est à peu près le même prix, hein, Ce sera à peu près le même prix que la boîte Mothership que vous voyez ici. C'était 60$ aussi, je crois, ou 50$, je ne sais plus. Je crois que c'était 50 pendant le financement et 60 maintenant. Donc on a
peu près sur les mêmes types de prix. Pourquoi? Parce que bah, prod indé, hein, à la base. Hein. Je pense qu'ils n'avaient pas du tout prévu de faire 1,5 million de dollars. Mais vous voyez, si je mets les deux à côté, on est sur le même type de boîte. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse. Si vous voulez faire du one-shot, d'horreur, etc., prenez Space Horror Story. Si vous êtes intéressé par l'aspect modulaire, de pouvoir créer plein d'autres choses avec, Mothership me semble un très très bon choix. Alors moi j'avoue que voilà, de savoir que c'est la VF, bah, je suis heureux quoi. Je suis heureux comme un gosse parce que bah, on parle de science-fiction, on parle de mon thème préféré. Donc, je vais pas être objectif. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait un premier tour de ce que peut être Mothership, de ce qu'il peut apporter, en tout cas, au terrain de la science-fiction, puisque Cloud Empress, que je vous ai parlé, on est sur tout à fait autre chose. On est sur de la science-fantasy à la Nausicaa. Vous voyez qu'on sort de ce cadre, vaisseau spatial, crac-crac, etc., pour explorer complètement un autre type d'univers, mais toujours avec le stress, etc., propre à Mothership. Donc, rien ne vous interdit de vous amuser avec les règles pour proposer d'autres cadres bah, de jeu, ou plus système solaire, si vous souhaitez. Après tout, hein, vous pouvez aller, par exemple, sur Mars, et puis bah, vous arrivez sous forme de toast grillé façon cancer généralisé. Ben voilà, ben bref, on pourrait parler de science. D'ailleurs, si ça vous intéresse un de ces jours, on pourrait faire un petit peu d'émissions dédiées vraiment science, pour ensuite les exploiter en termes de science-fiction et de jeux de rôle. Bref, il me reste à vous dire ben, que si cette émission vous a plu, ben vous n'hésitez pas, hein. Donc déjà, j'enlève la petite bannière, vous n'hésitez pas, voilà, petit mot de la fin. Comme je vous le disais, oui, et tout à fait, Talgaliel, je vous mets le petit commentaire. Il y a Endless Darkness qui permet de poursuivre l'aventure sur Space Horror Stories, qui sera chroniqué sur la chaîne dans quelques semaines. Hein. Normalement, c'est Antoine qui devrait s'en occuper. Et nous, comme je vous ai dit, ce qui arrivera prochainement, si c'est possible, avant le 10 décembre, qui est la fin du mois Mothership, on essaiera de vous faire des vidéos peut-être sûrement plus courtes, parce que ce sera de l'enregistrer, et plus détaillées dans ce que propose réellement Mothership. Là, je l'ai vraiment survolé, vous voyez, une heure et demie, parce qu'on a parlé de, enfin, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais on n'est pas rentré vraiment dans le détail, dans ce qui est l'intérêt de Mothership et des différents modules. Parce qu'il y a des modules que je n'ai pas et que les personnes avec qui je vais discuter les ont. Donc, ça sera pas mal à compléter. Donc, vous allez revoir du Mothership sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on espère que ça vous plaira, comme à nous, en tout cas. Il me reste à vous dire que si cette émission vous a plu, bah, comme d'habitude, vous partagez, vous likez, vous commentez, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Si vous le sentez, ce B, hein, on est toujours heureux. Oui, Red, Marie, t'inquiète. Je vais essayer de voir que je n'oublie personne. Que veut dire d'autre? Que demain matin, 7h30, vous aurez la version podcast qui sera disponible, si vous voulez écouter ça sur le chemin du taf. Et si vous voulez revoir cette vidéo avec les liens qui vont bien, le chapitrage, parce que c'est toujours plus sympathique, eh bien, vous retrouverez la vidéo sur YouTube dès demain midi. Maintenant, on va essayer de voir s'il y a une chaîne sur laquelle on peut vous envoyer pour pouvoir bah, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, bah, tiens, on n'a jamais été sur Arch RP. On va essayer d'aller voir chez eux. Après tout, hein, soyons fous. Alors, il faut que je fasse ceci ici. Alors, hop. Voilà, vous m'excusez parce que je ne suis pas un grand spécialiste des raids. Hein, voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et ciao, ciao!